Les amis, je suis tellement heureuse et même un peu émue de vous présenter la troisième édition du planeur holistique Le Journal. Vous avez été très nombreuses à deviner cette couleur rose tendre et à l'espérer également, et j'en suis ravie parce que c'est exactement l'énergie que je souhaitais transmettre à travers cette édition. Beaucoup de tendresse, de l'amour. J'espère que cette nouvelle édition vous apportera beaucoup. Elle est en édition limitée. J'aurais voulu en faire plus, mais en réalité, vous savez que ce planeur est 100% français et je travaille avec des petites entreprises. Et là, l'entreprise qui me fournit les couvertures en tissu m'a dit bah, je veux bien, mais ça sera en petite quantité parce qu'effectivement, ils n'avaient pas des kilomètres de tissu. Donc, c'est pourquoi le journal est en édition limitée en rose tendre. Pour rester dans le caractère exclusif, vous retrouverez 12 recettes exclusives à l'intérieur, 6 recettes sucrées et 6 recettes salées que vous ne retrouverez nulle part sur mes réseaux sociaux et qui sont vraiment très très sympas. Donc là, comme je vous l'expliquais, le jour... Fait papier. Elle est absolument adorable. Le journal est en train d'être produit. Il sera prêt dans 3 semaines environ, 3-4 semaines, on va le commencer ensemble début octobre. Et c'est aussi la beauté d'un planeur non daté, c'est que vous pouvez le commencer quand vous le souhaitez, faire des petites pauses si vous en avez envie, si vous n'avez plus le cœur à écrire, si vous avez besoin justement d'une petite pause, eh bien vous pouvez tout à fait et vous ne gâcherez aucune page. Comme la dernière fois, vous avez rendu le planeur en rupture de stock au bout de 5 heures. Je préfère vous en parler dès le début de la vidéo. Si vous souhaitez réserver le vôtre, être sûr d'en avoir un, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site maisontuferry.fr puisque les ventes sont déjà en ligne à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Une valeur qui me tient vraiment à cœur, c'est d'être juste, et eh bien je vais envoyer les planeurs dans l'ordre d'achat, c'est-à-dire que la première personne qui aura acheté le tout premier planeur se verra envoyer le journal en premier. Et d'ailleurs, je noterai, j'aime bien faire ça, toujours faire des petits mots pour les trois premières personnes à acheter le journal. Je glisse une petite carte à l'intérieur et à l'intérieur, il y a également un marque-page en papier ensemencé qui est glissé à la première page et qui vous permet d'avoir des fleurs sauvages. Vous le faites tremper, vous le plantez, vous l'arrosez et vous allez avoir des fleurs sauvages. C'est super sympa. Et sinon, vous pouvez le garder en marque-page, mais voilà. J'aimais bien ce côté à la fois utile, et ça encore c'est une entreprise française. On travaille vraiment avec que des petites entreprises françaises, ça me tenait vraiment à cœur. En ces périodes qui sont pas toujours faciles, et bien justement de travailler avec des petits artisans. Là par exemple, la dorure a été faite à Lyon, l'impression a été faite par Jean Martin à Sens. Bref, c'est un produit 100% français avec la meilleure qualité possible. Nous allons parcourir ensemble l'intérieur. Il n'a pas changé puisque vous m'aviez tellement aidé à améliorer la deuxième version grâce à vos retours quant à la première version. Et donc pour cette troisième, nous avons gardé cette bonne organisation que nous avons finalement recréée ensemble. Hein. Lorsque vous ouvrez votre journal, il y a toujours ces pages de conseils qui me permettent de créer le pont, de faire un lien entre mes vidéos YouTube et ces produits physiques. Toujours d'essayer de vous amener des petits conseils sympas. Donc là, par exemple, comment créer un objectif, comment créer plus d'harmonie dans votre vie, les 4 piliers du bien-être. Ensuite, il y a un regard intime. Ce sont 15 questions d'introspection que je vous conseille de faire accompagner. Vous pouvez les faire seul, mais moi, je trouve ça sympa de les faire. Moi, je les ai fait avec William. Vous pouvez les faire aussi avec votre meilleure amie, avec votre maman. Et ensuite, on a la roue de la vie. Et là, petite anecdote, j'ai reçu il y a quelques jours un message d'une abonnée qui m'a bouleversée parce qu'elle m'envoyait justement sa roue de la vie quand elle a commencé le planeur et la roue de la vie qu'elle avait à la fin. Et ça m'a fait tellement plaisir parce qu'elle me disait que le journal était un outil qui l'avait tellement aidé justement à aller mieux, tout simplement, autant dans son organisation, sa planification, mais surtout dans sa santé mentale. Et c'est vraiment l'idée de cet outil. C'est un outil de développement personnel en continu, mais surtout d'amour de soi, de se créer du temps pour soi, réussir à planifier son temps pour ne pas penser qu'au travail, mais aussi réussir à trouver cet équilibre. Et voilà, c'est vraiment un partenaire idéal pour retrouver plus d'équilibre, plus d'harmonie. Et donc, quand je lis ce genre de témoignage, de retour d'expérience, ça me fait tellement, tellement plaisir. Ensuite, on garde la bibliothèque dans laquelle vous pouvez renseigner les films que vous avez envie de voir sur les 6 prochains mois, les épisodes de podcast, les livres. Et ensuite, on entre dans le premier cycle, les 4 prochaines semaines. Donc, vous avez une grande citation, les objectifs personnels, les objectifs
professionnel. Vous allez retrouver les recettes en exclusivité dans cette édition du planeur. Ce ne sont pas les mêmes recettes que les planeurs précédents et ce ne sont pas des recettes que vous pouvez retrouver sur mon compte. C'est vraiment des recettes créées pour la troisième édition du planeur, le journal. Donc vous avez une sucrée et une salée à chaque fois avec un QR code qui vous mène à la vidéo de la recette que j'ai tournée et qui est cachée sur le site, à laquelle vous pouvez accéder uniquement avec le QR code en achetant le planeur. Ensuite, vous avez une vue globale du planning de la semaine. Moi, ça me rassure beaucoup. Ça me permet de noter personnellement toutes les vidéos que je vais faire pour la semaine et d'avoir une vue d'ensemble. Mais vous pouvez tout à fait noter vos rendez-vous importants ou alors voilà, des choses à ne pas oublier. Et ça permet d'alléger sa charge mentale, de voir en un clin d'œil toutes les choses les plus importantes de la semaine, tout simplement. J'ai également gardé les repas de la semaine parce que ça, pareil, vous m'en envoyez, ça me fait tellement plaisir de voir vos organisations, de voir vos idées de repas. Ça permet deux choses. Ça permet évidemment de s'organiser, de planifier. Personnellement, je mets juste le déjeuner et le dîner, mais vous pouvez également mettre le petit-déj et même le goûter. Et ça permet d'organiser vos repas à l'avance, donc de savoir quoi acheter en course, mais ça permet également à la fin de la semaine d'avoir une vue globale et non pas pour être dans le contrôle, évidemment, vous savez que c'est pas comme ça sur ma chaîne ni chez Maison Tuféry, c'est vraiment l'idée avec un clin d'œil de se dire ah c'est intéressant parce que cette semaine j'ai consommé plus de légumes et ma digestion va beaucoup mieux par exemple. C'est vraiment juste des informations, une clé de lecture différente à la fin de la semaine, de vous dire tiens, je pourrais peut-être ajouter un petit peu plus de protéines à mon alimentation, parce que lorsqu'on est dedans tous les jours, on fait peut-être pas forcément attention, on a tellement d'habitudes, on est souvent en pilote automatique, et le fait de pouvoir avoir un peu de recul à la fin de la semaine, une vue globale, ça permet aussi d'ajuster certaines petites choses qui permettent de se sentir mieux, tout simplement, parce que c'est vraiment le but de cet outil, c'est de se sentir mieux dans la globalité. C'est pour ça que c'est un planeur holistique, c'est que ça permet de toucher à la fois à votre organisation et de vous sentir mieux dans votre environnement, avec vos relations, dans votre tête, dans votre peau. Ensuite, nous arrivons sur la semaine. J'ai gardé les trackers d'habitude parce que ça m'a tellement aidé d'avoir un tracker d'habitude par semaine. Si vous saviez comme j'ai pris encore plus confiance en moi, c'est comme un élan de motivation. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de réussir à lire un peu tous les jours avant de vous endormir au lieu de scroller sur votre téléphone. Vous inscrivez à côté d'habitude une, lire 30 pages le soir. Et l'idée, c'est que vous avez des chiffres numérotés de 1 à 7. Le 1 correspond au lundi. Et donc, dès que vous avez lu vos 30 pages le lundi, vous cochez le numéro 1. Dès que vous avez lu vos 30 pages le mardi, vous cochez le numéro 2. Le mercredi, vous n'avez pas lu vos 30 pages, c'est pas grave. Vous entourez, vous faites simplement un cercle. Moi, ça m'arrive très souvent aussi de pas réussir à tenir mon habitude à 100% sur la semaine. Mais au moins, vous voyez justement où vous en êtes et ça vous pousse quand même à vouloir cocher. Les croix, c'est super puissant, je trouve. Ensuite, vous avez la possibilité d'inscrire vos objectifs les plus importants pour cette semaine, à vous de voir si vous voulez inscrire du pro ou du perso. Et puis, alors ça, une activité pour le cœur, le corps, l'esprit et l'âme, c'est très important parce qu'on a souvent tendance à s'oublier et ne pas faire de soi une priorité et inscrire ce qui nous fait vraiment plaisir, des activités pour nous, en dernier, une fois qu'on a rempli tout notre emploi du temps, une fois qu'on a inscrit tous nos rendez-vous, on se rend compte que il reste pas grand-chose pour nous. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche assez globale et de se dire, ok, pour trouver un certain équilibre entre le pro, entre ce que je dois faire, ma maison, ma famille, les rendez-vous, etc., et ce qui me fait du bien, l'équilibre se trouve dans ces petites activités. Donc moi, je vous donne mon exemple perso, après vous faites vraiment ce que vous préférez. Une activité pour le cœur, ça va être, pour moi, ça va être cuisiner par exemple, j'adore ça. Une activité pour le corps, ça va être faire du pilates. Une activité pour l'esprit, ça va être écouter un podcast ou lire. Et une activité pour l'âme, ça va être avoir une conversation avec ma meilleure amie. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment d'inscrire ces activités, d'essayer de les changer un peu chaque semaine pour renouveler et vraiment d'essayer d'aller chercher ces activités, de ne pas les oublier pour trouver un meilleur équilibre, tout simplement. Ensuite, on arrive à chaque jour de la semaine. Eh bien, il y a ces petits traits qui vous permettent d'inscrire le jour, le mois et l'année parce que voilà, il est non daté. Vous pouvez le commencer quand vous voulez, l'arrêter, le reprendre et ne pas gâcher de page. Il y a ensuite une citation inspirante chaque jour. Dans l'encart sommeil, humeur et énergie, vous inscrivez le nombre d'heures que vous avez dormi, vous inscrivez comment vous vous sentez au réveil, vous pouvez inscrire à quelle période de votre cycle menstruel vous êtes et ainsi noter comment vous vous sentez. Et ensuite, dans la gratitude du jour, ça
ça me touche vraiment, je trouve ça vraiment très très important de se réveiller en se disant ce pourquoi nous sommes reconnaissants, parce que ça nous met dans un état d'esprit super positif pour commencer la journée. Ça peut être vraiment tout bête, mais voilà, je me réveille et j'ai mon petit chien, j'ai Poppy à côté de moi et je suis tellement heureuse de ça. L'idée, c'est de se lever et d'avoir une pensée positive, parce qu'on a souvent tendance à se lever et à se dire « Oh non, je suis fatiguée, oh non, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça » et tout de suite à stresser, alors qu'en commençant la journée par quelque chose de positif, par de la reconnaissance, ça change notre énergie et on ne voit pas du tout la journée de la même manière. Ensuite, les trois top priorités du jour, donc pro, perso, comme vous le souhaitez, mais ce sont les activités, si vous les avez réalisées, eh bien, vous avez réussi votre journée. Et parfois, on a tendance à se dire « Oh là là, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. » Oui, mais tu as fait tes trois top priorités. Donc, ça permet aussi de souffler un bon coup, de se déstresser, de se dire que finalement, on a quand même fait des choses. On a souvent tendance à voir tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on aurait dû faire. Mais tenir un planeur comme ça, ça permet aussi de voir ce qu'on a réussi à faire. Parce que voilà, on est souvent dur avec soi-même. Donc, c'est important aussi de se soutenir positivement. Ensuite, nous avons le programme. C'est tout simplement votre to-do list. Vous avez 10 lignes en plus des top priorités. Et à droite, vous avez les notes. Alors moi, personnellement, dans les notes, j'inscris souvent ce que je dois acheter ou alors des personnes que je dois appeler. Voilà, des impenses bêtes, tout simplement. Et alors, ce que je trouve génial en deuxième partie de ces pages journalières quotidiennes, c'est le bilan de la journée. Vous revenez le soir sur votre to-do list et vous allez inscrire la journée en un mot et le beau moment du jour. Et la puissance du beau moment du jour, c'est comme on a commencé la journée avec du positif, on la termine avec du positif. Et ce qui est un cercle vertueux là-dedans, c'est que parfois, pendant la journée, tu vas penser au fait que tu dois écrire le beau moment du jour dans ton planeur le soir. Et donc, tu vas avoir une vision un petit peu plus positive de ce que tu es en train de vivre et tu vas chercher surtout le positif. Et ça, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien au moral et pour la santé mentale, c'est super important. J'adore ce petit outil, ce petit exercice et vos retours sont tellement positifs. Ensuite, on arrive au bilan de la semaine. Et alors ça, je trouve cet outil tellement sympa, c'est le baromètre du bien-être. Et alors, vous allez évaluer les 5 piliers vraiment du bien-être, à savoir, est-ce que vous avez eu un sommeil de qualité? Sur combien vous notez votre sommeil cette semaine? L'alimentation, est-ce que vous avez bu assez d'eau? L'activité physique que vous avez pratiquée, pas forcément le sport, mais ça compte également toutes les marches que vous avez faites, etc. Comment vous avez bougé votre corps? Et enfin, les relations sociales, mais plus la qualité de vos interactions sociales. Et vous pouvez ajouter un commentaire en plus de la note. Ensuite, nous avons les réussites de la semaine, ce qui a moins bien fonctionné cette semaine, ce que je vais instaurer la semaine prochaine et des notes libres. Ce qui permet toujours d'avoir cette quête d'évolution positive et de ne pas stagner, de célébrer en fait les petites victoires, l'avancée et d'être dans le chemin, d'être dans le processus, de pas toujours être sur les objectifs, mais de voir toute la progression. Ça, je trouve que c'est super, super important pour se sentir bien, de constater la progression et de l'évaluer aussi, d'être honnête envers soi-même, c'est super important. Ensuite, nous revenons au planning de la semaine et on recommence tout ça pendant 4 semaines pour arriver ensuite au bilan des 4 semaines avec ce que j'ai découvert, appris, le cycle en 3 mots. Moi, ça a été quoi ce cycle-là? C'est planification pour le mariage, amour, concrétisation de projet, voilà. Ensuite, ce que j'ai accompli, 3 réussites personnelles, 3 réussites professionnelles, toujours dans l'idée de faire attention à ce qu'on a fait de bien et de pas toujours se blâmer pour ce qu'on a oublié de faire, pour ce qu'on n'a pas fait. Je vous jure que pour la santé mentale et pour se sentir bien, pour se sentir épanoui, c'est super important de noter ce qu'on a réussi à faire, de noter les petits progrès, les petits pas, s'encourager soi-même tout simplement. Ensuite, quand même, ce qui a moins bien fonctionné, être conscient aussi de ce qu'on doit améliorer et justement ce que je vais instaurer pour progresser, à savoir si mon sommeil n'est pas de bonne qualité, bah, j'ai conscience que j'ai tendance à scroller le soir et que j'ai conscience que je regarde trop de lumière bleue et que je pourrais faire les choses un petit peu différemment. Prendre conscience de ça, c'est le premier pas justement pour mettre en place des petites actions et des habitudes qui vont me permettre d'aller mieux. Voilà, et ensuite on a une page de notes libre. Alors je la mets au bout des 4 semaines parce que je peux pas la mettre pour chaque semaine étant donné que le planeur fait déjà
322 pages pour 6 mois. Alors évidemment, vous l'avez bien compris, on peut pas faire un planner sur un an, sinon ça ferait combien? 644 pages, non, pas possible. Donc évidemment, on reste sur le même format. C'est un planner que vous pouvez prendre avec vous parce qu'il fait 580 grammes. Donc voyez, ça reste léger. C'est que des pages de belle qualité quand même, issues de forêts durables d'ailleurs, super important. Maintenant, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai lancé une boîte à questions sur Instagram. Et vous m'avez posé des questions justement par rapport au planner. Son prix, as-tu eu besoin d'augmenter avec la hausse globale des prix? Très bonne question. Écoute, non, son prix reste le même, 34,90€. Dans tous les cas, je vais vous dire, je préfère baisser mes propres marges plutôt que d'augmenter le prix de vente. C'est trop important pour moi qu'il reste accessible. Même mon hébergeur de site internet est français, vraiment. C'est un produit 100% français, fait avec des petites entreprises, etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus cher que de produire avec des grosses entreprises à l'étranger. Mais ça me tient à cœur, ça fait partie des valeurs de la marque. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait... C'est ce que je prends en compte pour la réussite. C'est pas forcément le nombre d'exemplaires vendus. C'est, voilà, ça fait aussi partie de ma satisfaction personnelle de faire ça. Et pour moi, je n'aurais jamais le cœur d'augmenter le prix de ce planner. Je veux vraiment qu'il reste accessible. Pas de question, mais tellement heureuse de l'annonce. J'espère réussir à l'avoir cette année. Bah, j'espère aussi, mais alors, encore une fois, la vente est déjà en cours. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez réserver le vôtre, n'hésitez pas sur maisontuféry.fr. Peut-on aussi le recevoir en Belgique? Y aura-t-il des livraisons pour l'étranger, l'Algérie par exemple? Cette édition est-elle disponible dans les Drôme? Une livraison au Maroc? Bon, comme vous le voyez, vous êtes très nombreuses à me suivre partout dans le monde et c'est pourquoi ça me tient à cœur. Depuis le premier planner, hein, ça a toujours été de faire une livraison à l'international. Et où que vous soyez dans le monde, vous pouvez avoir le planner. Je voulais pas qu'il y ait cette frustration de se dire « Ah, mais j'habite là, je peux pas l'avoir ». Non, vraiment, vous pouvez l'avoir où que vous habitiez. En termes de livraison, bah bien sûr, la poste fixe ses prix, donc je fais avec, mais sachez, je crois que je ne l'ai jamais dit, mais je prends 50% des frais de port à ma charge. Parce que lorsque j'ai vu combien ça coûtait d'envoyer au Canada, combien ça coûtait d'envoyer en Suisse, je me suis dit, non mais attends, c'est abusé, je ne veux pas leur faire payer ça, limite j'avais honte pour la poste. Donc j'ai pris en charge une partie des frais de port. C'est à ma charge. Pour vous alléger encore une fois, je dis non, j'ai trop envie qu'elle l'ait en fait. J'ai envie de vous voir avec le planner chez vous. J'ai trop hâte de recevoir vos photos. J'ai hâte qu'il vous apporte quelque chose de super positif à votre quotidien. C'est pourquoi j'ai vraiment essayé de le faire le plus petit prix possible. Je commence à travailler ce dimanche, mais à midi, bon, ça devrait aller. En 2 heures, ça va aller quand même. Voilà les amis, pour la présentation de cette 3e édition de mon planeur holistique, le journal. J'espère qu'il vous plaît autant que moi. J'espère que vous aimez l'énergie de cette petite couleur rose tendre et que ça vous apportera beaucoup de réconfort. Et j'espère que ça va améliorer certaines parties de votre vie, que c'est vraiment un outil qui va vous suivre au cours de ces 6 prochains mois et que vous verrez du positif. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours d'expérience comme toutes les personnes qui le font. Ça me touche tellement à chaque fois, je screen et après je mets dans un album le journal pour vous relire comme ça. Voilà, je suis tellement heureuse. Mille merci parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien depuis la première édition. C'est tout juste incroyable de voir cette communauté merveilleuse qui me suit depuis si longtemps et tous les petits messages que vous m'envoyez. Et quand je vous croise en vrai dans la rue, c'est fou aussi. Donc mille merci pour votre soutien, pour vos encouragements. Et c'est grâce à vous que je peux sortir cette 3e édition. Je vous laisse le lien du site dans la description. On se retrouve tout de suite sur Instagram, sur mon compte personnel Sleeping Beauty YTB, mais également le compte de ma marque où je reposterai toutes vos stories. Et puis sinon, on se dit à dimanche prochain, 10h du matin, pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous. Bye et merci encore.